Bonjour et bienvenue à tous dans ce dernier rendez-vous des évasions digitales de l'année. Je suis très heureuse de vous retrouver tous et toutes. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Xavier Masco et Jean-Philippe Falavel du Moulin Digital et ils vont nous expliquer comment enrichir les informations proposées par Google afin d'augmenter la visite de vos pages web. Comme habituellement, vous pourrez retrouver le replay sur notre page Formez-vous du site www.ladromtourisme.com ainsi que sur la page Facebook La Drôme Tourisme pour les professionnels. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire ainsi que de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous laisse en compagnie de Jean-Philippe et de Xavier. De démarrage, juste C'est pour ça. vous dire bienvenue à cette nouvelle séance qui va aborder donc la thématique des résultats enrichis sur les moteurs de recherche sur Google. On faisait juste la présentation de deux événements qu'on propose prochainement. Ce jeudi, entre midi et deux, on a une séance qui s'appelle un pitch presque parfait, pardon, qui permet à deux porteurs de projets du territoire de venir pitcher leur projet devant vous, avec l'objectif que vous puissiez les découvrir et leur apporter vos idées, votre regard, vos commentaires et vos questions et vos idées pour les aider à cheminer dans leur projet. Ces deux projets numériques innovants du territoire qui arrivent sur le marché, dont un qui concerne le tourisme, puisque ça s'appelle Udada. Et c'est des séjours du coup équestres, donc on n'en dit pas plus parce qu'il faudra venir jeudi pour découvrir cette start-up, mais on vous invite cordialement à vous inscrire directement sur notre site, rubrique Agenda. Voilà. Et il y a une deuxième startup qui s'appelle GoForMe, qui va présenter un peu son innovation numérique qui va arriver sur le marché tout début 2022. Donc ça, c'est ce jeudi 16 décembre entre midi et 2 chez nous au Moulin Digital. Et il y a une deuxième séquence qui va se dérouler l'année prochaine, le 7 janvier 2022, qui est notre premier café outil de l'année que je vais avoir le plaisir d'animer, co-animer, j'imagine, avec toi, sur LinkedIn. Les bonnes résolutions 2022 LinkedIn, c'est ça? Voilà, c'est comment travailler un petit peu mieux LinkedIn, notamment par rapport à ce nouvel algorithme de LinkedIn. On va passer 1 heure à le décortiquer le vendredi 7 janvier à 9 h dans nos locaux pendant 1 heure. Voilà. Allez, on rentre dans le cœur du sujet. Donc, quand on parle de résultats enrichis, ce qu'on voulait vous présenter déjà, c'est c'est quoi un résultat enrichi, puis ça sert à quoi, puisque si on le fait, c'est qu'on a aussi un intérêt à le faire. J'espère que vous nous entendez. C'est bon, Deuxième item, est-ce que votre site web peut bénéficier des résultats enrichis et comment? Donc ça va être de la mise en pratique et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je crois que ce coup-ci, on n'a plus de problème sur l'audio. tout marche, On j'ai est l'impression. lancé Le et chat c'est fonctionne. parti. Alors, les résultats enrichis dans Google, je pense dans les moteurs de recherche, vous en avez déjà vu. Tout le monde l'a vu déjà, Ouais. hein, sans s'en rendre compte en Je suis fait. pas du tout de saison, je suis désolé, j'ai mis les lasagnes à la bolognaise, j'aurais dû mettre quelque chose de plus. Oh, quoique, c'est copieux quand même, hein, mais j'aurais pu Ça mettre tient quelque chose de chaud, plus ça hivernal. tient chaud. Vous allez faire des recherches sur Google, vous allez avoir des résultats qui ne vont pas apparaître de la même manière que les autres, sous forme textuelle. Ils vont apparaître souvent avec une image et des informations additionnelles. Donc, c'est le cas notamment des recettes de cuisine, c'est-à-dire avant même d'avoir cliqué, d'avoir choisi votre recette, vous avez déjà quelques niveaux d'informations sur l'évaluation de cette recette par les internautes, le temps nécessaire pour réaliser la recette. Alors déjà, sur le terme enrichi, ça vous montre pourquoi c'est enrichi. C'est parce que c'est du contenu enrichi par rapport juste à une ligne de présentation de votre page web. On a des images, on a une notation par exemple sur l'évaluation, on a le temps de la durée de la recette. Bref, on va voir ça après, mais le côté enrichi, c'est ça. C'est des informations supplémentaires à une ligne simplement, une sortie de page web classique. Ce qui est valable pour les recettes, vous le voyez également souvent sur des films, des séries télé. Vous avez également le même affichage de notation et d'évaluation. Donc c'est aussi un type de résultat enrichi. Ce n'est pas forcément celui que vous allez être amené à utiliser, vous, dans vos activités. La recette, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Le film, un peu moins, mais en tous les cas, c'est un résultat qui existe. Et vous avez bien conscience que ces informations enrichies apparaissent tout en haut de la première page de Google. C'est aussi ça l'intérêt. D'autres exemples, des événements. Quand on organise un café-outil, quand on organise n'importe quel événement, si on est éligible en fait au résultat enrichi, on verra comment on fait. On a un affichage aussi qui va mettre en valeur à la fois la date que vous voyez ici et le lien vers l'inscription. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont permises sur les événements. Donc selon les sites web, selon les plateformes, ça peut se faire automatiquement. Sur certains sites web, ce n'est pas fait automatiquement, il faut le faire à la main, donc ça va dépendre.
Donc le mieux pour vous en rendre compte, c'est de tester. Vous allez essayer de taper des événements sur le moteur de recherche et vous voyez comment ils vont s'afficher. Quand on dit des sites web, c'est les vôtres, hein. C'est-à-dire que selon vos sites web, selon votre outil qui a servi à créer votre site web, vous allez pouvoir le faire de façon plus ou moins automatique ou plus ou moins manuelle. Et un exemple pour vous montrer que c'est assez automatisé, par exemple une vidéo YouTube, là une vidéo YouTube qui concerne un café outil, elle a automatiquement un balisage de type vidéo. Donc pour les personnes qui hébergent leurs vidéos sur YouTube, finalement vous n'avez rien à faire, vous avez déjà ce balisage qui va favoriser la mise en avant d'une vignette de la vidéo et de votre chaîne YouTube. YouTube étant appartenant à Google, il va pas forcément vous redemander de recoder ou de remettre des informations supplémentaires. C'est ça, mais je crois que Vimeo, c'est la même chose. Hein. D'accord. Donc, même si vous utilisez d'autres plateformes, souvent, ils ont implémenté ces choses. Là où c'est très puissant, c'est sur le e-commerce. Alors, je ne sais pas, c'est souvent la période des achats là, en fin d'année. Vous avez sans doute vu, quand vous commencez à chercher des produits, vous avez un affichage de vignettes en haut de produits qui sont issus de Google Shopping. Et vous avez en dessous un affichage pareil enrichi. Donc là, je l'ai pris sur une entreprise qui est à Remusa, qu'on avait accompagné. Vous avez un affichage du coup avec la notation, le prix et si le produit est en stock. Donc ça, ça permet en fait en un coup d'œil, il faut imaginer se mettre dans la peau du visiteur, en un coup d'œil, il va voir qu'il est vraiment sur un site de e-commerce. Et avant même de cliquer, il aura déjà quelques informations sur le produit qui lui permettra de cliquer en connaissance de cause, en fait. Il sait qu'il va arriver sur une fiche produit et il sait qu'il va pouvoir acheter sur ce site. Mais j'imagine que vous, en tant qu'utilisateur aussi, hein, sur Internet et sur Google, du coup, vous avez forcément cliqué sur un résultat enrichi parce que ça vous donne envie de cliquer par rapport à un résultat, entre guillemets, classique qui apparaît dessous parce qu'il y a des informations supplémentaires, une vidéo, une vignette, des avis, un prix, tout ce qu'on vient d'évoquer là à l'instant, dont l'objectif, effectivement, c'est d'enrichir le contenu et de vous inciter à aller vers cette page web-là, si elle vous intéresse, évidemment. Donc là, c'était pour vous montrer des exemples de résultats enrichis. Peut-être que vous en avez déjà vu d'autres. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat, parce qu'il y a pas mal de schémas. On montrera, je vous donnerai le lien vers le site qui les documente, en fait, tous les schémas existants. Alors, pourquoi ces résultats enrichis ? Ben, la première chose... Qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, dans un moteur de recherche, on ne cherche pas forcément des résultats de sites, comme il y a 10 ans, où on avait une liste de sites, on va chercher des réponses. Et Google, lui, ce qu'il veut, c'est trouver des réponses pour ses internautes. Donc en fait, Google est passé d'un moteur de recherche à un moteur de réponse, en fait. C'est ça. Et donc, il va vouloir connaître un peu l'intention de l'internaute et lui répondre le plus efficacement possible, et surtout, en moins de clics possible. Donc quand on cherche une recette de cuisine, pour lui, son intérêt, c'est qu'on ait déjà une information intéressante avant même d'être allé sur la recette de cuisine pour éviter, vous savez, quand on ouvre 10 onglets pour savoir quelle recette on va choisir. Donc, il essaye de faciliter en fait le fait que vous ayez la formation la mieux adaptée qui apparaisse en premier. Et c'est vrai qu'on comprend aisément que sur une recette de cuisine, la photo, elle a quand même une importance déterminante, d'où le fait que le résultat enrichi des recettes de cuisine, il inclut une vignette image. Ou vidéo. Image de la vidéo, mais vous n'avez pas la vidéo directement dans le moteur de recherche. Ça fait une petite vignette qui peut être effectivement une vignette de la vidéo de la recette ou des différentes étapes de la recette. Et qui donne envie. Qui donne envie et qui va permettre en fait, de comprendre qu'on est tout de suite sur une recette de cuisine. Donc l'enjeu pour le moteur de recherche, c'est être capable de comprendre un peu ce que souhaitent les usagers et puis de leur servir des résultats qui soient les plus adaptés à ce qu'ils attendent, à leur intention en fait. Hein. Et ça, c'est vraiment en référencement, je pense que vous pouvez garder ça dans une démarche globale. Ouais, dans une démarche globale. Quand vous référencez une page, vous vous dites cette page, elle répond à quelle intention ? Est-ce que c'est plutôt une intention d'achat, d'information ? De transaction. Et comment je vais pouvoir aussi faire apparaître son résultat dans le moteur de recherche. Et c'est là que le résultat enrichi peut être intéressant. Ce que vient de dire Xavier, en fait, c'est d'essayer de faire en sorte qu'une page n'ait pas plusieurs intentions. Parce que là, si la même page a plusieurs intentions à l'intérieur, le moteur ne saura pas forcément comment la proposer, puisqu'il ne saura pas finalement à quelle question elle répond. Du coup, il faut mieux identifier l'intention de chacune des pages de façon assez unique. Si je reprends l'exemple de ce site-là, un lit de roi bleu et bio direct du producteur, finalement, l'intention, là, elle est vraiment commerciale.
veut présenter un produit, s'il est en stock, etc. Je sais que sur le même site, il y a par exemple quelque chose qui présente les différentes propriétés des hydrolats. Mm-hmm. Donc là, on est sur une intention d'information, mais on n'est pas sur la même page. Oui. Si tout avait été mis sur la même page, c'était difficile pour le moteur de recherche de déterminer quelle était l'intention. Donc c'est très bien de l'avoir segmenté la partie un petit peu à quoi servent les hydrolats et la partie voilà notre offre en fait d'hydrolats. Et ça répond souvent à une question qui est, ouais, mais moi, je veux un site avec pas beaucoup de pages ou je veux pas forcément... Vaut mieux avoir des pages segmentées et plutôt concentrées sur un sujet que d'avoir peu de pages qui abordent différents sujets. Le visiteur s'y retrouvera pas et donc le moteur s'y retrouvera pas. Donc, en résumé, quand on référence une page, on s'intéresse à l'intention. Ça, c'est démarche globale. Et deuxième chose, on essaye de répondre à des questions plutôt qu'à des groupes de mots-clés, comme on faisait avant. Donc, on essaye de se dire à quelles questions je vais répondre. C'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, vous avez des appareils vocaux, type enceinte connectée, type téléphone, qui vont donner juste un résultat, en fait. Ils ne vont pas donner, voilà la liste des sites, quel site souhaitez-vous consulter. Ils vont vraiment extraire un résultat des sites web et le mettre en avant directement via une enceinte ou un téléphone. Quoi. Le plus pertinent. Le plus pertinent selon le moteur de recherche. Alors, la deuxième question que je voulais vous soumettre, c'est est-ce que votre site web peut bénéficier des résultats enrichis ? Oui. Tout le monde est éligible. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas besoin d'avoir une audience de X personnes, il n'y a pas besoin d'avoir X fans. Voilà, c'est vraiment, tous les sites peuvent le proposer. Et du coup, pour le proposer, il va falloir ajouter des schémas qu'on appelle aussi des micro-données. Donc, c'est des schémas de balisage, en fait, une manière de décrire ce qu'il y a sur votre site. J'arrive sur une page produit, je vais dire au moteur de recherche, grosso modo, sur cette page, vous allez trouver des produits. Si c'était un humain qui faisait ça, il dirait ça. Si j'arrive sur la page qui est dédiée aux recettes locales, par exemple, sur mon territoire, je dirais que cette page contient des recettes. Ceci est une recette. Ceci est une recette, voilà. Donc, le schéma de balisage, c'est uniquement ça, en fait. C'est d'écrire en amont ce qu'il y a sur votre site, mais sans que ce soit forcément écrit sur le site. C'est-à-dire que le visiteur, lui, ne va pas forcément le voir. C'est vraiment le moteur de recherche, les robots qui vont être en capacité de le voir. Donc, c'est vraiment de la donnée et pas de l'information qui va être proposée. Je pose une question au présent. D'accord. Ces données, elles vont décrire les pages web. On les appelle également métadonnées parfois ou micro-données. Alors ça, c'est du langage un peu technique, mais ce n'est pas le plus important. L'idée, c'est de comprendre qu'on va décrire ce qu'il y a sur le site. Une fois que vous avez mis en place ces balisages, ces micro-données, vous n'avez pas pour autant une garantie de résultat. Ce n'est pas parce que vous avez mis en place ces micro-données que votre référencement, vous allez être classé premier ou que Google va forcément afficher le balisage que vous avez mis en avant. Ah, ça, c'est pas un bon signe, c'est pas systématique. C'est pas systématique. C'est pas automatique. C'est pas systématique, mais par exemple, sur une recette, je pense qu'il l'affichera quasiment à chaque fois, de ce que j'avais observé. Ça ne veut pas dire que votre recette, à vous, elle va être première. Parce qu'il y a d'autres recettes, par exemple, les lasagnes à la bolognaise, je pense qu'il y en a qui ont eu l'idée avant. Donc, du coup, vous allez être affiché en résultat enrichi, mais vous pouvez quand même être en 3 ou 4e page. Mm-hmm. Donc, du coup, vous ne serez pas forcément très, très visible. L'idée, c'est de le mettre en place pour faciliter le clic, mais ça ne va pas faciliter le classement. Le but des résultats enrichis, c'est quand l'internaute passe sur votre résultat, il se dit « Tiens, là, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie d'aller plus loin. » Mais ce n'est pas forcément de vous faire passer premier alors que vous êtes troisième. Ça ne va pas être efficace dans ce sens-là. Donc, le critère de choix de Google, il va l'afficher le résultat enrichi si c'est pertinent selon lui. Donc, souvent, il va l'afficher. Mais par contre, le classement de votre page, il va dépendre de plein d'autres critères, la notoriété, l'historique, l'audience de votre site, la pertinence de la question, etc., etc. Finalement, qui sont des questions assez, entre guillemets, classiques par rapport au référencement. Oui, voilà. Exactement. Donc, c'est un complément au référencement. Ce n'est pas une nouvelle technique de référencement totalement innovante qu'on vous propose avec Jean-Philippe. C'est vraiment un complément à ce que vous faites actuellement pour faciliter, en fait, la conversion entre les personnes qui voient votre résultat et les personnes qui cliquent. Pour résumer, on va vous montrer comment faire des choses différemment sur vos pages web, mais ce n'est pas parce que vous l'aurez fait que vous serez remonté en premier, page 1, rang 1 de Google, sur cette fameuse page. Par contre, si vous êtes déjà sur une page qui fonctionne bien, oui. Par exemple, vous êtes dans les 3 premiers sur les recettes avec du picodon, vous allez pouvoir augmenter votre taux de clic peut-être en proposant une vignette avec un beau picodon en photo. Finalement, c'est ça. C'est l'enjeu, c'est d'augmenter l'action de trafic ou de visite sur votre page par une augmentation de facteur d'attrait de votre page sur la page Google. Exactement. Alors, si on remonte un petit peu en arrière,
tout ce système de schéma de balisage, il s'appuie en fait sur ce qu'on appelle le web des données. Aujourd'hui, nous, on utilise plutôt un web documentaire, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'info, des pages, des sites qui sont rédigés, mais derrière, il y a des bases de données qui alimentent ces sites web. Je crois que dans le tourisme, vous êtes plutôt familier avec ce sujet-là, puisque vous avez, il me semble, une base de données commune pour toutes vos informations touristiques. J'ai oublié le nom. Citra, non ? Non, c'était Citra avant, maintenant c'est Apidae. Voilà. Apidae. Donc Apidae, c'est du web de données, c'est-à-dire que vous avez une base de données qui va alimenter les sites web. Et bien, comme Apidae fonctionne, il y a plein d'autres systèmes sur le web qui fonctionnent, et ces données, elles vont permettre à la fois de regrouper de l'information dans une base, mais elles vont aussi permettre de décrire les objets, des ressources ou les personnes. Un des exemples pour voir le web des données, c'est de chercher par exemple une série télé. Si je cherche une série télé, je pourrais me dire si j'étais sur un web juste d'information, je vais avoir uniquement voilà, la fiche Wikipédia et l'information liée à la série. Ce que le web des données va pouvoir faire, en fait, c'est par rapport à cette information, il va pouvoir vous donner des données qui sont liées à cette série. Donc les données qui sont liées à cette série, c'est la liste des acteurs, par exemple. En fait, il va agréger du contenu, c'est ça, de différentes sources pour la proposer sur une forme un peu plus... Enfin, agrégée, quoi. C'est une forme agrégée. C'est ça. Et ça veut dire que ces acteurs-là, les acteurs de cette série, ils sont quelque part décrits dans des données où ils sont liés à la série. C'est-à-dire que ces acteurs-là, on sait qu'ils jouent dans cette série. C'est pour ça qu'il est capable d'extraire dans son résultat en me disant, voilà la distribution de tous ces acteurs, de tous les acteurs de cette série. Donc ça, c'est possible grâce au web des données. C'est décrit à un seul endroit et après tous les sites web, Google peut le faire, mais n'importe quel site web peut dire, en interrogeant une base de données, il peut dire, voilà les acteurs de cette série. On le voit un petit peu aussi d'ailleurs sur les fiches, si on tape votre nom de structure, votre nom d'entreprise, votre nom de restaurant, d'hôtel, etc., votre fiche apparaît sur la droite comme la Casa de Papel et vous avez par exemple des avis Facebook qui peuvent apparaître. Oui, alors vrai. Google, ce n'est pas Facebook, mais il va aller piocher des informations chez lui, la fiche Google My Business par exemple, et il va l'agréger avec du contenu qui vient d'ailleurs, qui vient d'autres sources, pour arriver à avoir une information complètement enrichie sur la recherche qui a été proposée dans le moteur. Alors, ouais, nous on a un exemple effectivement. Donc là, on a effectivement le moulin digital et l'information agrégée, enrichie qu'on va avoir sur le moulin digital, c'est les événements à venir. Donc si vous tapez le moulin digital, je pense que vous avez peut-être pareil pour vos structures, vous avez ici les événements à venir qui vont être décrits, affichés ici. Et en fait, c'est parce que le fournisseur de notre système d'inscription, qui s'appelle Eventbrite pour nous, il a mis un balisage de type événement. Et en mettant ce balisage, en décrivant les événements, les nôtres, mais pas que les nôtres, et ben Google est capable de faire le lien entre les événements et notre fiche. En gros, ce que dit Xavier, c'est que sur la fiche à droite, là, ce n'est pas nous qui avons proposé de rajouter les informations dans cette fiche-là. C'est Google lui-même qui est allé piocher chez Eventbrite, qui est notre fournisseur de services d'événements, pour aller agréger ce contenu-là dans notre fiche. Exactement. Donc ça, des résultats enrichis, vous en voyez très, très régulièrement. De plus en plus souvent. De plus en plus souvent, et ça va concerner, voilà, je vous ai mis quelques exemples, les documents, les livres, vous avez souvent le titre, l'auteur, l'éditeur, l'année de publication, des produits vendus en ligne, vous allez avoir toutes les informations réglementaires. C'est en fait, les micro-données, c'est un standard, quoi. C'est-à-dire une série, ses acteurs, elles vont être, toutes les séries et leur distribution d'acteurs vont être représentées de la même manière, ce qui va permettre à un moteur de recherche ou à n'importe quel logiciel d'interpréter cette information sans forcément qu'il y ait un humain qui ressaisisse à chaque fois cet acteur a déjà joué dans cette série. Donc derrière, on comprend aisément l'intérêt, hein. Finalement, c'est un intérêt de massification de l'information et puis d'automatisation de l'information, en fait. Hein. Le web des données, c'est ça aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas uniquement des humains qui vont en permanence renseigner des bases de données, c'est plutôt des outils qui vont être mis à disposition et une fois que c'est décrit, ça profite à tous. Et ce qui est important de voir, c'est que ces micro-données sont standardisées. Ouais. Du coup, il y a des rubriques, il y a des champs, il y a des types de structures, de données qui sont structurées, justement. Donc ce standard, on appelle souvent ça des schémas. Donc vous avez un site qui est intéressant parce que c'est un site du coup qui est commun. C'est un standard commun, ce n'est pas uniquement Google. Parce qu'il y a Microsoft, Yahoo, Yandex, le Google Chinois. Russe. Ah, Chinois Russe, pardon. Oui. Russe, je crois, oui. Qui l'utilise depuis 2011, le même schéma de balisage de données. Donc quand vous balisez une donnée, finalement, vous le balisez pour l'ensemble des moteurs de recherche et des logiciels. Oui, ce qu'on dit là, c'est effectivement, on parle souvent de Google parce qu'effectivement, en France, la grande majorité des recherches se font sur Google. Mais ce qu'on dit là est valable pour l'ensemble des moteurs, hein.
Facebook a aussi son propre système de balisage qui s'appelle le Graph Protocol, qui permet lui plutôt de décrire les relations entre les structures et les personnes. Voilà. Alors là, pour le coup, on ne l'utilisera pas, mais il faut savoir qu'il existe. Donc ce vocabulaire, ces schémas-là, finalement, on est sur la partie très théorique. Donc un film, ça se représente par un titre, une année, une distribution, une boîte de production, une boîte d'édition. Pareil pour un événement, pareil pour un produit, exactement. Pareil pour tout ce qu'on a vu avant sur les types de contenu enrichi. Et une fois qu'on a ça, il va falloir l'implémenter, donc l'ajouter. Et c'est là qu'on utilise la grammaire, qui sont les micro-données, en fait, la grammaire. Donc là, il y a un bout de code qui va permettre de décrire le schéma qu'on a choisi sur schéma.org pour le mettre sur votre site web. Donc ça, c'est dans un langage qui s'appelle le JSON-LD. Vous avez juste à faire du copier-coller, en fait. Hein. Il n'y aura pas à faire autre chose que faire du copier-coller d'un code que vous allez quand même générer avec un outil. Et ça, on le code dans chacune des pages ? Oui, il va falloir le coder dans chacune des pages. Alors évidemment, quand vous êtes sur un site de e-commerce, vous allez plutôt demander dans votre cahier des charges que le prestataire vous génère ce petit fichier-là automatiquement pour chacune de vos fiches produits. Je ne sais pas, vous avez 400 références, vous n'allez pas faire le code à la main, copier-coller pour les 400 références. Donc évidemment que ça s'automatise. Plus vous êtes sur un site où il y a du contenu, du volume et puis du contenu qui est similaire, des fiches produits. Si vous êtes sur un site de recettes de cuisine, vous n'allez pas faire le schéma à la main à chaque fois. Sur les sites de destination qui sont les vôtres, par contre, vous pouvez être amené sur une page à vous dire, tiens, là, je vais peut-être mettre un schéma en place parce que c'est intéressant. Je parle d'une recette de cuisine uniquement sur cette page. Je vais proposer un schéma de type recette de cuisine. Donc, on n'est pas obligé de baliser l'ensemble de ces pages. On peut choisir des pages que l'on souhaite baliser de façon un peu particulière. À la différence, par exemple, parce que le principe qu'on a vu jusqu'à présent, c'est un peu la même chose que pour Analytics. Analytics, on va copier un bout de code dans son site web pour générer en fait une automatisation. Là, on va le faire, mais par contre, page par page. On ne fera pas forcément qu'une seule fois en disant, une fois que je l'ai fait sur mon site, c'est fait. Ça va se faire page par page, parce qu'il peut y avoir des pages événements, il peut y avoir des pages produits, il peut y avoir des pages qui concernent des codes différents, des balisages différents. Alors, sur tous les balisages qu'on vous a proposés, sur tous les schémas, moi, pour le tourisme, il y en a deux que je trouve super intéressants et que nous, on a utilisé aussi parfois. Ouais. Il y a un balisage qui s'appelle tutoriel. Donc, le balisage tutoriel, nous, on l'a déjà utilisé parce que ce qu'on produit, il y a aussi des tutoriels. Donc, c'est un balisage qui vous permet de décrire les différentes étapes d'une procédure. Par exemple, comment mettre en place ces données microformat, étape 1, étape 2, étape 3. Si je propose ce format de questions sous cette forme, je vais avoir un résultat enrichi où je vais avoir des questions-réponses qui vont apparaître juste en dessous de mon site. Mais par exemple, pour reprendre l'exemple de l'hydrolat au bleuet, ouais. On pourrait mettre en place un tuto, c'est comment mettre en place une routine d'utilisation de l'hydrolat au bleuet. Oui, exactement. Une routine d'utilisation d'hydrolat bleuet. Et après, le deuxième balisage qui est super intéressant, c'est la FAQ. Donc la FAQ, c'est la forme en question. Donc là, c'est une liste de questions-réponses que les internautes vont se poser le plus fréquemment possible. Vous avez une page, par exemple, dédiée à la randonnée en famille, le B.A.B.A. de la randonnée en famille. Que faut-il apporter pour une randonnée réussie? FAQ, pensez à amener de l'eau, pensez à prendre une bonne paire de baskets, etc. À vous d'imaginer, il faut vraiment que ça apporte quelque chose à votre page. Là, ça peut être un peu artificiel ce que je vous dis, mais si ça apporte quelque chose à votre page, il faut pas hésiter à le faire. Mais vous l'avez sûrement vu, hein, dans Google, souvent, il y a des questions qui apparaissent comme ça, sous forme de petites listes. Il y en a 4 ou 5 comme ça qui peuvent apparaître sur un sujet, et notamment sur les recherches qui commencent par comment. Comment faire quelque chose. Et là, forcément, vous avez des rubriques de style tuto qui apparaissent et qui sont liées à du format enrichi, du contenu enrichi. Alors, hop là, vous demandez si votre page contient des résultats enrichis, vous avez un outil que Google vous propose, qui est un outil de test qui s'appelle le test des résultats enrichis. Donc, je vous ai mis l'adresse dans la présentation. Vous avez ici un moteur de recherche, vous allez ajouter l'adresse de votre page. Donc là, c'est une page que j'avais réalisée moi sur le site du Moulin Digital. Vous collez l'URL de cette page et vous allez pouvoir tester, il va vous dire s'il y a des résultats enrichis sur votre page. Donc, oui. Donc vous testez, c'est souvent un petit peu long. Donc lui, il va analyser la page, il va regarder, essayer de repérer les schémas de balisage qui auraient été mis en place précédemment. Je peux divulguer la réponse, il y aura forcément des schémas de balisage sur votre site, puisqu'il y a des schémas de balisage qui sont mis en place automatiquement par défaut. Notamment, il y a un schéma de balisage qui s'appelle hauteur du site, qui permet d'identifier clairement l'hauteur du site. Donc c'est quelque chose qui se fait tout seul, que vous aurez toujours. Vous avez un balisage aussi qui permet de décrire le plan du site, c'est-à-dire les différentes rubriques, votre arborescence. Voilà, donc ça, c'est aussi le fil d'Ariane, en fait. Voilà. C'est aussi des balisages automatiques. Qui sont automatiques.
Pareil, quand vous faites un article de blog, il y a souvent un balisage article qui est mis en place. Donc là, moi, je vois que j'ai un balisage article qui est mis en place. Donc si je reviens à mon résultat test, moi, ce que j'ai rajouté à la main sur cette page-là, c'est le tutoriel qui est ici. Donc le tutoriel, c'est How to. Et donc du coup, j'ai un tutoriel qui est inscrit en fait sur mon site et qui est reconnu par Google, même s'il met un avertissement parce qu'il me manque sans doute quelque chose par rapport à ce tutoriel. Alors, je n'ai pas regardé qu'est-ce qui manquait. Un élément valide contenant des avertissements a été détecté. Donc les avertissements, c'est souvent par exemple, il vous dit vous pouvez mettre une image pour chaque étape du tutoriel. Peut-être que je n'ai pas mis l'image. Okay. Il essaie de guider au maximum l'utilisation et la création de vos balisages. C'est le fil d'Ariane ? Ouais. Donc, ça, c'est automatique, ça. Ouais, ça, c'est automatique. Pardon, je vais aller retourner sur mon How To. Et donc, du coup, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous avez le petit bouton ici qui s'appelle Prévisualiser les résultats. C'est lui que je cherchais, en fait. Et qui va pouvoir vous montrer à quoi ressemblent les trois étapes de votre site web. Ah, c'est ça qui manque. Ouais. Donc là, il me montre à quoi ça ressemblerait sur un mobile. Et on voit que sur mobile, il aime bien les images. Donc là, par exemple, pour mon tutoriel micro-données que j'ai publié sur le site web, une image m'aurait apporté sans doute plus de résultats. C'est-à-dire que pour chaque étape, il aurait fallu que j'ajoute une petite image en vignette comprenant à chaque fois l'étape 1, 2, 3. Mais par contre, un utilisateur qui verrait mon site web, il le verrait comme ça sur Google, s'il apparaissait dans les résultats. Donc avec cet affichage sous forme de vignette. Ça, c'est pour le résultat 2, ça c'est plus okay. Celui que vous allez trouver souvent sur... Pas sur un mobile, mais sur un PC. Ouais. Donc on retrouve les trois étapes que j'ai mis dans mon tutoriel. Donc ça, il faut imaginer que c'est mon site. Et après, on peut les déplier sans aller sur le site. Je peux lire déjà les trois étapes. Quoi. Et c'est là qu'on voit qu'on fournit du contenu directement, alors qu'on n'est pas encore allé sur votre site. Mais derrière, l'idée, c'est de permettre... Parce que souvent, on voit ces propositions-là, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, le contenu, il ne vient pas de Google lui-même, hein, il vient du contenu que vous avez proposé dans votre site, dans votre page web, et qui vient se présenter de façon différente dans la page de Google. Donc, ce qui peut être important aussi, on parle souvent de méta-description quand on parle de page web. Donc, c'est la partie de description que vous allez proposer à cet endroit-là. Alors là, il me donne un exemple, hein, c'est pas ma méta-description à moi. C'est peut-être aussi de donner envie de cliquer. C'est-à-dire que, parce que là, vous avez vu, je peux avoir toute l'info que je veux directement sans cliquer sur mon site. Ouais. Sauf que sur mon site, il y a plus d'informations par rapport à ça. Mm-hmm. Donc, il faut aussi donner envie d'aller en savoir plus, d'aller découvrir. Si c'est une FAQ sur la randonnée dans la Drôme, et ben, c'est aussi de découvrir les plus beaux itinéraires de la Drôme, peut-être. Voilà, faut aussi donner envie de cliquer pour aller plus loin. Donc, la manière de tester les résultats enrichis, ben, ça, vous pouvez le faire pour chacune de vos pages. Donc, cette adresse-là, cet outil-là, je pense que tu l'as mis dans la presse. Il est là, ouais, searchgoogle.com/test/richresults. Alors, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra toutes ces adresses-là. Hein. Il y a plusieurs adresses qu'on va vous proposer, que ce soit schema.org, etc. On les mettra en commentaire de la fiche YouTube, de la vidéo YouTube. Alors ça, vous allez pouvoir savoir si vous avez des balisages sur votre site, mais vous pouvez le savoir, regardez sur n'importe quel site en fait, puisque vous pouvez tester n'importe quelle URL. Ça peut vous donner une idée. Après, si vous avez 500 pages sur votre site, vous n'allez peut-être pas faire ça pour les 500 pages. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est vous dire par rapport aux intentions de recherche quelles pourraient être les pages à baliser et analyser ces pages spécifiquement pour ensuite rajouter les balisages nécessaires. Ok, deuxième chose que je voulais vous montrer, si vous avez déjà des balisages, il y a un outil qui est super qui s'appelle la Search Console. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà dans le chat. Google Search Console. Ouais. J'essaie de voir dans le chat. Ouais, la Search Console qui est l'outil de Google qui vous permet de connaître les mots-clés et expressions qui vous permettent que les internautes ont tapé avant de venir sur votre site web. Donc c'est souvent un outil qui est complémentaire à Google Analytics, hein, que vous avez probablement mis en place sur votre site web. Et on va vous montrer comment faire de lien entre les deux. C'est ça. Donc les performances, vous vous souvenez sur ce site, vous voyez ce que les gens ont tapé pour venir sur votre site, bon, Moulin Digital par exemple pour nous. Mais par rapport à l'objet, au sujet du jour, donc qui sont plutôt les résultats enrichis, vous avez un onglet ici. Donc là, c'est la partie performance. Vous voyez toutes les requêtes que les internautes ont tapées. Ok. Ensuite, vous avez un résultat qui s'appelle apparence dans les résultats de recherche. Donc là, c'est comment votre résultat est apparu. Et si vous le voyez ici, vous avez en fait tous les balisages que vous proposez sur votre site s'ils vous ont généré des visites. Donc nous, nos balisages vidéo, c'est-à-dire des vidéos, des gens qui ont cherché par l'onglet vidéo de Google,
sur la période visée, ben, on a 31 personnes qui ont cliqué depuis un balisage vidéo qui nous a amené des gens sur notre site web. Sur la partie tutoriel, on en a que 3. Okay. Voilà. On a 3 personnes qui, par rapport, on doit avoir, je pense qu'on a 3 pages qui sont taguées avec des tutoriels. On a eu que 3 clics finalement sur la période visée qui sont venus vers nos tutoriels. Bon, pourquoi? Okay. Peut-être parce qu'il manquait des images, ça peut être une réponse. Probablement parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'impressions, donc beaucoup d'affichages, 1942 affichages pour 3 clics. Et la deuxième, c'est aussi que la position de nos résultats tutoriels, ils sont plutôt en 40e position, donc ils sont relativement loin dans les résultats de recherche parce que sur ces tutoriels, par rapport à des choses techniques, on n'est pas le site de référence là-dessus, donc on est un petit peu loin par rapport à ces résultats. Si vous l'appliquez à votre cas, donc vous allez voir ici apparence dans les résultats de recherche, vous verrez du coup si vous avez des résultats enrichis. Alors ça, les résultats WebLite, c'est des pages qui sont rapides. C'est autre chose pour le coup, c'est pas des choses que vous pouvez sur lesquelles vous pouvez jouer. Donc en fait ça se fait en deuxième temps. On met en place le balisage et après quelques temps après on va vérifier en fait l'impact finalement de ce balisage-là en termes de trafic, en termes d'impression et en termes de clics. Ou si vous avez déjà du balisage sur vos vidéos, ce qui est souvent le cas. Sur vos vidéos, il existe déjà le balisage, vous allez rarement l'ajouter à la main. Si vous vous demandez sur quelle page j'ai du balisage, vous cliquez apparence dans les moteurs de recherche. Vous choisissez par exemple tutoriel. Et là, si vous allez sur l'onglet pages, vous allez voir toutes les pages qui sont concernées par les tutoriels. Donc moi, des pages, j'en ai 2 qui sont concernées par les tutoriels. Là, tu es allé sur une autre page, c'est ça, hein? Donc j'ai mis apparence dans les résultats de recherche, j'ai choisi tutoriel, je voulais voir tous mes balisages tutoriels qu'il y avait sur mon site web. Et du coup, si je veux voir les pages correspondantes, c'est bien ces 2 pages qui ont des balisages tutoriels et qui ont généré du trafic et des visites. On a vu qu'il y en a peut-être d'autres, mais qui n'ont pas généré de trafic ni de visite sur la période visée. Ok, donc là, on est sur les 3 derniers mois. Hein, donc c'est ça. Vous avez toujours la possibilité de jongler sur la durée en fait, d'affichage des résultats. C'est ça. Donc ça vous permettra 2 choses, de connaître ce qui existe aujourd'hui. Vous allez voir si vous avez déjà des balisages. Et lorsque vous aurez mis du balisage sur quelques pages, et ben de voir si ça a été proposé par Google et si ça vous a généré des clics. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Jean-Philippe les a sur le chat. Oui, si vous avez des questions par rapport à votre usage à vous, par rapport à vos pages web à vous, sur la compréhension ou pas de ce sujet-là, n'hésitez pas. Maintenant, on va rentrer dans la dernière étape. Bah, comment on ajoute ces données-là? La première chose, c'est peut-être de demander lors du cahier des charges à votre prestataire de le faire. C'est un peu, finalement, ça vient dans la rubrique référencement. Quand on décrit la rubrique référencement sur son site web, sur son cahier des charges, bah nous, quand on accompagne des boîtes, par exemple, on va leur dire, donnez vos pages les plus importantes. Dites sur quelle expression ou question vous souhaiteriez être référencé. Dites l'intention qu'il y a derrière cette page. Et bon, on pourra rajouter un chapitre où on pourrait marquer, sans rentrer du tout dans la technique, je souhaiterais obtenir des résultats enrichis pour… Pour tel type de page. Tel type de page, mes fiches produits, mes recettes, etc. etc. Et vous pourrez mettre une capture d'écran du résultat que vous souhaiteriez attendre. Une capture d'écran d'un résultat enrichi d'un autre site. C'est aussi simple que ça, finalement, pour le cahier des charges. Comme ça, le prestataire, il a en tête ce que vous attendez et comment lui, il va procéder pour le mettre en place. Ou le faire vous. Ouais. Et deuxième possibilité dans le cahier des charges aussi, demandez bien, précisez bien, mais c'est le cas de la plupart des sites web, de pouvoir ajouter du code HTML. Parce que si vous le faites à la main, il faut que sur votre article, vous puissiez copier-coller du code HTML. Je sais qu'il y a des sites qui sont relativement verrouillés, vous ne pouvez pas coller de code HTML. Donc là, il faut que vous ayez la possibilité d'ajouter du code HTML pour pouvoir le faire manuellement et suivre le tuto qu'on vous propose juste après. J'espère que ça va pour l'instant. N'hésitez pas à nous dire hein, si vous avez bien, compris ou si vous avez bien suivi cette partie-là. Et puis nous dire un petit peu est-ce que vous êtes prêt à le faire cet après-midi, par exemple? C'est ça. je serai occupé, on ne pourra pas faire le support, mais si vous avez des questions, vous pouvez nous les transmettre par email. Le point de départ de tout ça, c'est peut-être de partir de schéma.org qui vous donne tous les schémas existants. Alors, c'est en anglais. Hein, c'est en anglais. Ouais. On a quand même touché du doigt quand même les schémas les plus importants. Je les rappelle, je pense, pour le tourisme, il y a le tutoriel, différentes étapes pour suivre une procédure, la FAQ, les questions les plus fréquemment posées par rapport à un sujet. Et peut-être pour les offices, éventuellement les événements. Les événements qui peuvent être intéressants, mais à voir si la plateforme d'événements que vous utilisez ne l'a pas déjà mis en place, et éventuellement les recettes. Sachez qu'il en existe plein d'autres qui sont décrits sur cet outil-là. Si vous avez envie d'explorer, d'aller plus loin, vous pouvez regarder ça. Moi, je vous invite déjà peut-être à partir sur ces 4, les 4 qu'on vient de vous donner là pour débuter.
Et les fiches produits aussi, je ne sais pas si tu l'as dit, mais fiches produits. Si vous avez un site de vente en ligne, par exemple. Alors là, pour le coup, fiches produits, je pense que le plus important, c'est vraiment de partir sur un cahier des charges, parce que si vous devez les faire manuellement à chaque fois, ça va être super compliqué, d'autant que les fiches produits, les prix peuvent évoluer, le stock peut évoluer. Donc, si c'est votre prestataire qui le fait, eh ben, ça va évoluer. Alors que si c'est vous qui le faites, si vous n'êtes pas développeur, vous allez mettre un prix fixe, en fait. Vous allez avoir du mal à mettre un prix variable. Donc, c'est un peu plus technique, mais demandez à votre prestataire de le réaliser quand vous avez des fiches produits. Donc voilà, vous pouvez partir de là, ou si vous avez en tête le schéma que vous voulez mettre en place, eh ben, vous pouvez aller directement à l'étape 2, tout en sachant qu'ici, vous avez la galerie, c'est-à-dire qu'il vous montre pour chaque schéma Google quel est le résultat visuel. Ça peut vous aider aussi à vous positionner. La méthode 2, donc du coup, ça va être de créer ce petit code qui va bien par rapport au schéma que vous voulez mettre en place. Donc, okay. Il existe un outil de balisage Google que je n'avais pas trouvé très facile à utiliser. Du coup, je suis parti d'un générateur de microdonnées qui est proposé par ce site. Je vous ai mis le lien dans la présentation. Sachez que si vous êtes sur un site WordPress, il y a un module qui est intégré parfois à WordPress qui s'appelle Yoast. Qui est le module de référence sur le référencement justement pour WordPress. Donc, ceux qui ont un site WordPress, ce module-là est souvent implémenté. Et lui, il vous propose d'ajouter les 3-4 schémas les plus courants, et notamment le tuto et le FAQ. Et ça, il vous l'ajoute sur chacun de vos articles. Ouais. Donc là, c'est très facile pour ceux qui ont Yoast. Pour les autres, vous allez devoir passer par une étape sur un site tiers, puis copier-coller le code sur votre site. Donc cet outil de balisage que j'ai ouvert ici, vous inquiétez pas, c'est relativement simple. Il va vous demander quel balisage vous voulez créer. Et on va retrouver les balisages les plus fréquents. Il nous facilite un peu la vie. Donc FAQ, événements, voilà. Articles. Donc article, vous n'allez jamais le faire parce qu'à mon avis, votre site le fait déjà. Il le fait à votre place. C'est article de blog, du coup, là. C'est article de blog. Par contre, vous avez événements, FAQ, how-to, vous allez retrouver. Donc ça, c'est vraiment les plus fréquents. Vous avez des offres d'emploi, des business locaux, etc., des organisations. Organisation, c'est pareil, ça sera automatiquement sur votre site. Si on part, par exemple, sur une FAQ, j'ouvre le balisage FAQ et là, en fait, il va me proposer des champs à remplir avec question 1, réponse, et puis je peux ajouter des questions. Ok, et donc à chaque fois, il génère le code à droite. On voit le code qui apparaît à droite. Vous tapez vos questions. Ok. Je ne sais pas, moi, pour l'escalade. Bon, c'est un baudrier. On voit qu'à côté, en fait, il m'a généré un code qui paraît pas forcément compréhensible pour qu'il n'est pas. Qui n'est pas forcément, voilà. Mais c'est ce code-là qu'il faudra coller. Donc, lui, il vous facilite la vie, en fait, avec des questions, un système de questions-réponses. Et vous allez pouvoir, en fait, mettre autant de questions-réponses que vous souhaitez. Et à chaque fois, il va vous créer, en fait, les items qui vont bien. Donc, pour chaque type de schéma, en fait, il vous propose un affichage différent. Une fois que vous avez fini, en fait, vous allez juste prendre là, faire copier, et vous allez coller ce schéma sur la page sur laquelle vous voulez rajouter cette FAQ. Dans le code HTML de la page concernée. Exactement. Hein. Et où ça, dans la page? En haut entre... Peu importe. On peut le mettre en haut ou en bas, peu importe. Okay. Donc, ce code-là, on est d'accord, quand vous allez le coller sur votre site, il n'y aura pas d'affichage. C'est-à-dire que l'internaute ne verra pas ça. Oui, bien sûr. Il n'y a que le robot, que le moteur de recherche qui le verra. Donc, si vous êtes sur une page où vous allez parler du matériel d'escalade et des questions du B.A.B.A. pour l'escalade, je vous invite quand même à rédiger un article où vous allez parler du matériel d'escalade. Il ne faut pas juste mettre un schéma de balisage qui ne corresponde pas du tout à ce qu'on trouve sur le site. Il faut qu'aussi ce schéma de balisage il corresponde au contenu de la page. Mm-hmm. Donc, c'est là que c'est pratique sur Yoast SEO, parce que Yoast SEO, quand vous faites FAQ, il vous génère l'article sous forme de FAQ plus le schéma de balisage associé. Okay. Quand on le fait à la main sur un autre site, il y a déjà c'est du indépendant contenu. En fait. Donc ça veut dire qu'il faut que le contenu soit rédigé sur votre page et que vous ayez la FAQ avec quasiment le même contenu en fait, que vous allez décrire sur ce schéma de génération et le coller sur votre site pour le proposer au moteur de recherche. D'accord, donc ça veut dire que le contenu, il ne va pas le récupérer automatiquement dans la page. Non. Il faut le recréer dans ce schéma, dans ce générateur de schéma, on va dire. Et le coller. Et le coller après derrière. Alors là, ce n'est pas un truc que vous allez faire sur 50 pages hein, en même temps. C'est vraiment des pages très, très particulières sur lesquelles vous pensez que la FAQ ou le tuto peut apporter une information additionnelle. C'est là que tu disais tout à l'heure, dans la page Google, en fait, on donne pas forcément tout. On donne envie d'aller voir plus. Dans le contenu de la page, on peut avoir du contenu
très complet. Bien sûr. Et on peut avoir un résumé dans le générateur de code ouais. qui soit un petit peu quelques lignes extraites du contenu in extenso. Je pense que c'est la bonne pratique. Vous avez la page complète avec toutes les étapes de c'est quoi une bonne session d'escalade dans la Drôme. Et le FAQ du schéma, eh ben, elle est relativement simplifiée parce que votre site va répondre à cette question-là. D'accord, donc ça c'est important, hein. Ça veut dire que le contenu n'est pas récupéré automatiquement. Mmh. Il faut régénérer un contenu plus light, plus structuré en fait finalement, et qui répond aux champs qui sont proposés dans l'outil. Donc celui-ci, moi j'ai déjà utilisé avec des boîtes, hein, ça, c'est souvent hein, qui est intéressant. Le deuxième, c'est le tuto. Ah, juste pour revenir ouais. sur la FAQ, il ne faut pas sous-estimer le fait que beaucoup, beaucoup de recherches aujourd'hui se font sur comment faire ou comment, voilà. Ouais. Donc ça répond aussi, le FAQ a finalement à beaucoup d'usages. Et quand vous vous repositionnez sur vos offres de produits ou de prestations, finalement, vous pouvez sûrement tous implémenter une page comment, une page un peu FAQ. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous tapez des questions sur Google, des moments où vous avez carrément des réponses qui sont proposées ici. Hop, là, je n'ai pas tapé la question que j'ai mis dans la FAQ. Alors, évidemment, c'est Google, donc il va vous vendre des produits. Hein. Donc, voilà. Par contre, vous avez autre question posée. En proposant la FAQ, vous avez plus de chances d'apparaître dans ces résultats qu'on appelle des résultats niveau 0. Sur l'escalade, je ne suis pas sûr, parce que vous n'êtes peut-être pas des sites référents sur l'escalade. Niveau 0, c'est le plus haut possible. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que des résultats, par exemple, la réponse qui est proposée ici, elle pourrait être extraite de votre site. C'est une possibilité, en fait. En proposant ça, vous allez faciliter pour que Google récupère la question-réponse sur votre site. Donc, en proposant des FAQ, vous allez être plus facilement éligible à ce système-là. Okay. Il y a de grandes chances que, par exemple, si je vais tester ce site-là, du coup, qui donne cette réponse-là, eh ben, il a un schéma de balisage de type FAQ. Et cette première sortie du VCamper, là, c'est pareil, c'est du contenu enrichi? Je pense pas. C'est qu'il estime qu'ils sont vraiment super référents sur cette réponse-là. C'est-à-dire que les personnes qui vont sur leur site ont l'air de trouver la réponse par rapport à cette question. Donc voilà, ça peut vous aider aussi à être dans les résultats zéro. Je connais peu de sites qui ont des résultats zéro. J'en ai vu un. J'en ai vu un, effectivement, sur un aspect réglementaire. Une boîte que je suis, mais c'est rare. Mais les résultats de niveau zéro, c'est quand même relativement intéressant. C'est que vous êtes vraiment référent sur la thématique. Allez, je reviens à mon schéma de balisage. Donc, je vous ai montré FAQ. Bah, de la même manière, vous avez tuto. Alors, vous avez des champs qui sont obligatoires. Le nom, bah, là, c'est la première étape, par exemple. Hop. Et après, vous pouvez préciser le temps. Par exemple, s'il faut une heure. Est-ce qu'il y a un coût associé, etc. Alors, moi, je ne l'ai pas complété. Ça, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que la première étape du tutoriel, on estime qu'il faut une heure. La deuxième, il faut deux heures. La troisième, il faut trois heures. Donc ça, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas des champs qui sont obligatoires. L'image URL que je n'avais pas mise, donc là, c'est une petite image vignette qui doit être hébergée sur votre site. Donc, vous ne pouvez pas ajouter l'image directement là-dessus. Il faudrait l'adresse. L'adresse de l'image là-dessus. Donc là, ce n'est pas première étape, ça serait tuto escalade. Et là, ça serait la première étape. Voilà. Une URL, hop, et je peux ajouter différentes étapes, un spot, etc., etc. Une fois que vous avez fini ça, bah, vous pouvez copier-coller. Si vous avez un doute sur quoi remplir ici, il vous met le lien vers le site schéma.org que je vous montrais tout à l'heure. Donc, vous savez, le site schéma.org qui est un peu la bibliothèque de comment on décrit, bah, vous l'avez toujours en lien ici. Si vous cliquez, vous allez revenir sur ce lien et il vous explique chaque champ ce qu'on attend dans les champs. Donc, c'est très standardisé hein, pour le coup. Donc, une fois que vous avez fini ça, vous copiez le code et vous allez le coller sur votre page web. Voilà. OK. Bah, 3, il faut tester votre page. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je vous ai mis le lien du site. Vous prenez votre URL de page et vous voyez si le schéma est reconnu. S'il n'est pas reconnu, c'est qu'il y a un problème sur votre site. Soit vous ne l'avez pas collé au bon endroit, soit votre site... Il n'est pas structuré correctement. Oui, il n'est pas structuré correctement. Donc, vous aurez des avertissements s'il n'est pas structuré correctement, comme moi, par rapport à mes images. Mais vous allez pouvoir le tester en direct si vous êtes éligible, j'ai bien dit éligible, à ces résultats. Et la quatrième étape, un mois après, vous allez voir sur Search Console, apparence dans les moteurs de recherche, voir si votre résultat a été proposé. Efficace. Ouais. Quelques bonnes pratiques pour terminer.
hyper important que votre balisage soit directement lié au contenu de la page. On ne met pas du balisage caché, un peu en sous-main, histoire de dire, tiens, je vais mettre un petit FAQ ici, mais sans en parler sur la page, pour essayer d'attirer les visiteurs qui, par Google, croiront qu'ils vont avoir des réponses à ces questions, mais en fait, ils trouveront autre chose. Donc ça, il faut vraiment l'éviter, parce que déjà, ça n'apportera rien au visiteur, il va juste être déçu de venir sur votre site, parce qu'il pensait trouver quelque chose, il ne trouvera pas. Et donc, du coup, ce sera donc, pas en fait, il faut qu'il y ait une cohérence entre le balisage proposé et le contenu même de la page. C'est ça. Moi, je pense que les deux balisages les plus faciles à utiliser et les plus intéressants par rapport à des acteurs comme vous, c'est la FAQ et le tuto. L'événement aussi est hyper intéressant, mais là, pour le coup, il faudrait l'automatiser avec le prestataire de base de données, Apidae, si ce n'est pas déjà fait, c'est peut-être déjà fait. Pour les événements ? Ouais, pour les événements. Voilà, parce que sinon, il faudrait le faire un par un. Et vu le nombre d'événements que vous avez sur vos territoires, je ne pense pas que ce soit jouable. Il faut que ça soit un peu automatisé. Bon, peut-être que c'est déjà le cas, je n'ai pas regardé, mais voilà, il faut voir. Ensuite, ces deux balisages-là, eh ben, il faut que la bonne pratique, c'est que ça apporte des éléments de compréhension à vos visiteurs et que ça leur donne envie de cliquer. Ça, je pense que c'est les deux éléments à retenir. Là où il ne faut pas mettre de balisage, ça ne sert à rien de s'embêter, c'est si vous savez que sur des sites, vous avez déjà vérifié, vous avez vos vidéos qui sont sur YouTube, ça ne sert à rien de mettre un balisage sur YouTube. Vous avez vos événements qui sont sur des sites d'agenda qui sont dédiés à ça, qui l'ont déjà mis en place, ça ne sert à rien de mettre un système de balisage. Voilà. Gardez à l'esprit aussi que le contenu balisé, il est non visible par les lecteurs de la page. Il est dans un code caché que le visiteur ne voit pas. Hein. Pour le coup, on s'adresse au moteur de recherche, on lui dit, tiens, regarde ce que je propose sur ma page. Si tu veux, tu peux récupérer un extrait pour l'afficher dans le moteur de recherche. Enfin, le visiteur ne voit pas sur votre site web, par contre, il le voit dans le moteur de recherche Google. Exactement. Exactement. Donc, voilà les deux bonnes pratiques. Donc, réfléchissez bien aux pages qui vous semblent intéressantes par rapport à ça pour mettre en place des balisages type FAQ tuto. Et puis après, tester, mesurer, puis évaluer si c'est pertinent. Voilà ce qu'on peut vous donner comme bonne pratique. Il existe encore un dernier schéma qui est intéressant qui s'appelle Local Business. Le schéma Local Business, c'est celui qui permet de décrire des entreprises locales. Ça, je pense que c'est intéressant pour tout le monde et vos prestataires. Pour tout le monde. C'est quelque chose que génère Google Business, donc les fiches Google Maps. Quand on crée une fiche, on génère ce code-là lié à votre fiche Google Business. Ce qui peut être intéressant en termes de référencement local, c'est d'avoir le même schéma sur votre site web. Ça va faciliter le lien entre votre fiche Google Business et votre site web. Et c'est déterminant, ça. Et c'est déterminant. Donc ça, c'est un schéma que vous allez mettre plutôt une fois, plutôt sur la page contact ou la page d'accueil de votre site. Vous n'allez pas les mettre sur toutes les pages, qui permet de décrire en fait l'adresse, les horaires, etc. Le téléphone aussi, je crois. Le téléphone. Alors, je vais vous remontrer ici. Si je prends Local Business, je vais retrouver voilà, tous les plein champs d'infos. Et il y a un truc qui est super important, Jean-Philippe, par rapport à Google Maps et Local Business, c'est de mettre la même info sur les deux. C'est-à-dire qu'il faut que votre adresse, quand vous la décrivez sur votre Google Maps, elle soit décrite de la même manière sur votre schéma. Ce qu'on appelle la fameuse nom, NAP. C'est pour ça que je te lançais. Ah oui, le name, address, phone. Voilà. Ça, c'est important que ça soit rédigé de la même façon sur toutes les pages, sur toutes les pages finalement qui sont visibles sur le web. Votre page My Business, votre page de votre site web, name, address, phone doivent être écrits toujours de la même façon. C'est ça. Par exemple, vous habitez au 33 rue Saint-Martin, ben, le ST de Saint, ben, il faut l'écrire, faut faire un choix. Soit vous l'écrivez ST de partout, soit vous l'écrivez S-A-I-N-T de partout. C'est du détail, mais ça compte pour Google. C'est ça. Donc là, par exemple, si je mets 8 avenue de la Gare, alors nous ici, on a un CEDEX, etc. Si j'ai décidé de mettre 26-300 sans le CEDEX, parce qu'on ne met jamais en fait, Alexandre, il faut que je mette ça sur tous mes sites voilà. Où je parle de ma localisation. Donc, il faut que je le mette sur Google Business, il faut que je le mette sur Facebook, etc. Parce que ça va lui permettre de dire, ah oui, c'est bien, tous les sites vont comprendre que c'est bien la même activité, qui est bien la même adresse et pas deux activités différentes. Donc, ce schéma, vous le mettez que sur votre page d'accueil ou votre page contact, vous le générez une fois et vous mettez exactement la même chose que sur Google Business. Je pense que c'est particulièrement intéressant pour les activités qui ont une dimension locale. Hop, toujours la même chose, on copie, on ajoute code HTML sur son site et on colle ce code-là. Donc ça, c'est très large. Hein. Ça concerne beaucoup, beaucoup d'entreprises, finalement, présentes ce matin. Et c'est presque la première chose à faire assez rapidement avant d'aller vers du tuto, avant d'aller vers du FAQ. C'est ça. Voilà, une fois et après, ben, on va essayer d'évaluer cet impact, hein, donc comme on montrait sur Search Console. Et puis après, on regarde l'impact global du référencement sur l'ITX, par exemple, entre aujourd'hui 14 décembre et dans 3 mois, est-ce que votre référencement par rapport aux actions d'optimisation, mais ça c'est valable
pour les micro-données, mais pour n'importe quelle action d'optimisation, est-ce qu'il y a eu un progrès du nombre de visiteurs qui viennent du référencement ? Sur chacune des pages qui ont été balisées. Voilà, sur chacune des pages qui ont été balisées, ou alors si vous n'avez pas trop de temps et que vous faites une démarche globale sur l'ensemble du site, est-ce que vous avez eu un progrès sur le référencement ? Ça vous permet vraiment d'évaluer si vos actions, elles ont porté leurs fruits. Quelques liens pour aller plus loin. Il me semble que j'avais vu deux choses intéressantes. Ça, c'est un article sur le web des données, donc plutôt théorique. Large. Et ensuite, il y a un article d'un site qui fait référence dans le domaine du référencement qui s'appelle Abondance et qui vous explique précisément comment on intègre les données structurées, peut-être avec plus de détails que ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Donc, c'est complémentaire avec ce qu'on vous propose. Il me semble que c'est un support PDF, si ma mémoire est bonne. Et il vous décrit à chaque fois, voilà, vous avez un support PDF de 74 pages, et il vous décrit à chaque fois comment vous pouvez faire pour créer un schéma et comment vous pouvez faire pour l'ajouter. Est-ce que vous avez des questions ? Le replay sera disponible sur YouTube. L'article, il est déjà disponible sur notre site web. Wow. Voilà, donc, et ouais, on est comme ça, hein, c'est installé, on est en avance. Donc le replay, on fera peut-être un nouveau lien. On le coupera, mais il sera disponible sur YouTube. Si vous avez des questions, des interrogations, ben... N'hésitez pas. Ouais. Mais il y en a qui l'ont fait en direct. De quoi ? D'accord. Non, c'est pas. Non, c'est moi. Ok. Voilà, donc... Merci beaucoup merci d'avoir participé à cette session évasion digitale. On a essayé de la faire la plus étape par étape possible, la plus tuto aussi possible. C'est ça. C'est pas forcément un sujet simple, mais c'est un sujet à enjeu. Donc n'hésitez pas à le tester vous-même, à le mettre en place sur votre site web et puis à progresser dans le référencement, notamment par les résultats enrichis. Et puis on vous donne rendez-vous soit jeudi pour le pitch presque parfait, soit l'année prochaine pour nos cafés outils et nos futures évasions digitales. C'est ça, sur des sujets qu'on discutera ensemble du coup, parce qu'on aura une programmation à reconstruire. Exactement. S'il n'y a pas de questions, eh ben, allez, dernier round. Je vérifie juste une dernière fois. Non, il n'y a pas de questions. Très bien. Merci à vous. Un grand merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Bye. Au revoir.